Claude, qui pesait entre 75 et 80 kg, perd entre 3 et 4 kg. Elle pèse maintenant entre une de ces cinq possibilités. Le premier poids de Claude se trouve entre 75 et 80 kg. Ensuite, Claude perd entre 3 et 4 kg et le deuxième poids de Claude, P2, se trouve donc entre P1-4 et P1-3. De ces deux doubles inégalités, nous pouvons déduire que P2 se trouve entre 75-4 et 80-3. Par conséquent, le nouveau poids de Claude, P2, se trouve entre 71 et 77 kg. Et donc, la réponse B est la bonne.